Ok, je me lance. Je m'appelle Agnessa et aujourd'hui j'ai décidé de participer au projet moteur et de vous parler de ce qui m'inspire. Ce qui m'inspire, je peux le faire où je veux, quand je veux et avec qui je veux. Je préfère le faire avec de la musique pour rigoler ou me défouler. Avec tous ces mouvements que l'on peut faire lentement ou rapidement. On peut raconter une histoire sans même dire un mot. Exprimer ses pensées en inventant des chorés. Avoir son propre style et se démarquer, c'est ce qui me fait apprécier. Et ce qu'il y a de meilleur là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'âge, pas de taille, pas de poids. Donc tout le monde peut en faire. Ce qui m'inspire dans cet art, c'est le fait de pouvoir être heureuse avec et de faire de belles rencontres. Ça fait partie de mon bien-être et de la personne que je veux être. Je me ressource là-dedans après une mauvaise journée. Ça fait partie de mes priorités. J'aime ce qui m'inspire, car dedans, on ne se juge pas. On est là pour s'apprécier et rigoler. Passer du bon temps avec les gens et être dans son élément. Le plus important dedans, c'est d'aimer ce que je fais et de savoir que c'est pour moi-même que je le fais. Si je pourrais, je dirais merci à ce qui m'inspire parce que je me découvre un peu plus chaque fois et c'est plutôt important pour moi. Dans ce qui m'inspire, il y a plusieurs styles différents et ça permet d'être polyvalent. Tout ça me fait réfléchir et à chaque fois que ça va pas, je me dis « pense à ce qui t'inspire ». Le rythme unique, toute cette technique, moi je considère ça comme un sport magnifique. Bon bah, je crois que je dois vous le dire, la danse m'inspire.